Et là où l'on c'est du vent de nord ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. Et bon jeudi, un jeudi qui commence sous de la couverture nuageuse. Il peut y avoir de la goutte. La température extérieure est à 15-16, celle de l'eau est à 19-18. Cet après-midi, un temps couvert avec de la goutte, une température à 17. La marée, elle est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 11h20 avec des coefficients de grande marée 107. Et sur cette marée qui descend, le vent est toujours au nord, il est toujours modéré, il y a du de Beaufort, le plan d'eau est ridé à clapot, de moutons il n'y en a pas. Et puis on a une houle qui est très longue, qui est plutôt sauvage, une fois de plus. 16 secondes de période orientée ouest à ouest nord-ouest, donnée par la Bouard. Cachan-Gascogne à 2,40 et 13 secondes, ce qui nous donne des vagues qui font 1,20, 1,50 en déferlement régulier. 2 mètres sur les séries qui rentrent fréquemment. On commence à avoir, 2,30 m sur les grosses séries. C'est solide, c'est en vrac, c'est nul, ça arrive en barre sur des bancs de sable qui sont minables, bref, ça ouvre pas. Le vent est pas trop fort, mais bon, c'est nul, ça vaut 0 sur 5, personne à l'eau, personne qui check. L'évolution pour le reste de la journée, ben, dès dans la matinée, là, ça va grossir assez copieux, puisque là, la Bouard Cachan-Gascogne est à la hausse à 3,20 m et 15 secondes. La houle se maintient cet après-midi, le vent se renforce au nord. Les prévisions à 13h, c'est 2,53 m, ou d'ouest à ouest, nord-ouest, 15 secondes de période, vent de nord, 1. 2. Et à 17h, 2,50 à 3 mètres, ou d'ouest à ouest, nord-ouest, 14 secondes de période, vent de nord-nord-ouest, 3, 4. Pas de surf et pas d'action, et cela même avec de la mobilité. Prochain point, tout à l'heure.